Bonjour, bienvenue à Malo à la ferme. Donc ici, j'ai une grande fierté quand que je fais des choses par moi-même, que j'ai pas besoin d'aller engager quelqu'un ou acheter de quoi au magasin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais fabriquer une huile à la cire d'abeille. Et aussi là, on va acheter du slime. On va acheter du slime. Ouais. Ma petite puce est malade aujourd'hui, donc elle est restée à la maison. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais fabriquer avec ma cire d'abeille une huile pour protéger mes bois. Yeah. Oups, attention. Donc, j'ai plusieurs choses à protéger. J'ai ma belle table ici, où ce que on a fabriqué ça avec ma soeur, est descendue de Montréal, puis on a décidé de sortir notre créativité, puis on s'est lancé dans la décoration intérieure, puis on a fabriqué cette table. Là, c'est vraiment une place où ce que mes enfants vont pouvoir peinturer, faire des dessins, s'inspirer, faire le devoir, sans être obligés de tout défaire la table de cuisine. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Donc, j'ai mes planches à couper aussi et ma table de cuisine que je vais traiter. Je sais pas comment que ça va m'en donner parce que j'avais juste deux ruches d'abeilles. Donc, j'ai pas énormément de cire. Mais je vais commencer par la nettoyer, séparer le dégueu avec le beau pour avoir juste la belle cire. Puis ensuite, je vais faire la recette que je vais vous montrer. J'ai trouvé ça sur Google. C'était super simple. Si vous voulez sauter la vidéo, ben allez faire une recherche Google puis vous allez trouver. Donc, la première étape, c'est de mettre la cire d'abeille dans un chaudron et de remplir à peu près deux fois la quantité de cire avec de l'eau. Donc, j'ai mis de l'eau froide là, pour là parce que je voulais pas que... Tu peux mettre de l'eau tiède. L'important, c'est qu'elle bouille pas. Qu'est-ce que tu veux, là, c'est que ça fonde. Et puis, là, je suis vraiment chanceuse parce que la cire, elle est généralement très belle parce que c'est la première année d'abeille cette année. Donc, j'avais pas des vieux cadres, là, tu sais, toutes noircies. Puis... Mais tu peux vraiment tout mettre, là, même si c'est dégueulasse, là, ta cire, tu la mets dedans, puis ça va tout se nettoyer en deux nettoyages. Peut-être que lui, je vais juste en avoir besoin de un, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. L'idée, c'est que toute la cire fondue va flotter par-dessus l'eau. Après ça, on va la laisser refroidir. Je vais revenir quand que ça va être un petit peu plus fondu. Ça commence à fondre. Donc là, j'ai quelques morceaux encore qui sont pas fondus. Je veux essayer d'avoir un résultat le plus clair possible. Donc, je remets tous les morceaux en dessous de l'eau. J'ai baissé mon feu parce que je veux pas que ça bouille. Puis là, ben, c'est sûr que ma cuillère, elle se ramasse avec beaucoup de cire dessus. Donc, je fais juste le gratter de temps en temps pour enlever l'excédent à chaque fois que je le brasse. Donc voilà. Donc je fais juste rentrer les morceaux plus durs dans l'eau pour que ça finisse par fondre. Donc ça ici, c'est la partie où ce qu'on enlève la dégueulasserie sur le dessus là, pour nettoyer la cire. Ça fait un petit peu... J'ai peut-être pas le meilleur outil là qu'il me faut, là, mais ça, c'est le meilleur ce que j'ai. Là. Il m'en faudrait peut-être un petit peu plus petit. Là. Mais la cire, elle passe à travers. Puis là, moi, je ramasse les cochonneries qu'il y a sur le dessus. Maman! Elle a du slime! Elle a du slime, ouais. Papa, okay. Ça, c'est pour toi! Voilà, j'essaie d'égoutter le plus de miel que je, le plus d'eau que je peux pour pas ramasser trop de cire. Et ici, j'ai ramassé de la belle cire. On va le remettre dedans. Donc, on va être obligé de faire un deuxième nettoyage. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre la bonne cire qu'il y a dedans. Ça, on va le laisser refroidir. OK, donc ça fait environ 4 heures. Et puis, comme vous voyez, ça l'a figé. Toute la cire a fait un beau petit bloc. Puis là, il reste encore là, une couple de petites affaires là, dégueu là, que je vais enlever avec une cuillère. Puis après ça, je vais vider l'eau, puis je vais le remplacer avec la nouvelle, puis je vais recommencer pour un deuxième lavage. Donc, vous voyez, cette partie-là est un petit peu plus sale, là. Mais c'est des choses qui s'enlèvent assez facilement. Fait que je vais recommencer.
Queen, oui, j'ai une nouvelle tête. J'ai décidé de faire un petit changement. Donc là, la dernière fois que j'étais ici, là, je l'ai laissé reposer, je l'ai laissé figer, lasser. Puis là, elle est juste sur le dessus de l'eau. Elle flotte. Donc, comme vous pouvez voir ici, elle flotte sur le dessus. Donc, je vais repartir le rond, mettre ça à high, mais je vais m'assurer qu'elle ne bouille pas. Je veux juste qu'elle fonde, et puis pour que je puisse faire le deuxième nettoyage, puis enlever la crasse qu'il y a dessus. Faites ce que je dis, pas qu'est-ce que je fais. OK, fait que là, je suis allée à mon ordinateur pour faire un petit post sur ma page communautaire. Puis, ça l'a bouillé. Donc, hey, ris pas de moi. Ben, il rit de moi en arrière. Je suis allée chercher du coton fromage. Je vais essayer de le passer là-dedans plutôt que de le passer dans ma passoire parce que là, il est vraiment scrap. Là. Je pourrais plus m'en servir pour rien sauf ça. Là, je vais essayer de déterminer dans quoi que je vais le verser parce que là, c'est vraiment chaud. Puis, je vous reviens. Bon, mais ben, finalement, j'ai pas trouvé de contenant. Mais je vais décider de me lancer puis de l'essayer pareil. Puis, le fait que ça soit si chaud, en fait, ça fait pas si pire avec la passoire, ça passe. Fait que je vais continuer comme ça. Regardez tout ce que je réussis à sortir. C'est quand même pas pire. Donc, je vais continuer comme ça. Puis d'y aller une... En tout cas, ça va bien. Ça va bien. OK, donc, de ce que je comprends, c'est que la cire, elle reste sur le dessus de l'eau. Donc techniquement, là, elle est encore vraiment chaude et fondue. Si je la verse dans un bocal que j'ai besoin pour faire mon produit aujourd'hui, ça devrait juste être la cire qui va sortir. J'en ai pas besoin de beaucoup, là. Fait que je vais m'essayer. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment la première fois que je fais ça, là. OK, il y a de l'eau encore dedans. Mais au moins, ça va être moins long à refroidir. Bon, donc là, je laisse refroidir celui-là ici. Que je suis pas mal sûre que j'ai un petit peu d'eau, mais je suis pas certaine parce que, honnêtement, ça fait vraiment une belle job. Donc là, j'en ai mis d'autres que j'ai sorti avec une cuillère sur le dessus. Ça a quand même bien séparé. Là, je suis en train de le faire juste réchauffer dans un bain-marie, dans mon machin pour faire cuire du riz, là, ma riseuse. Donc, en attendant que ça se réchauffe, je vais aller sembler ma table que mes filles ont fait des dessins dessus. Impossible de faire ça à main, enlever tout ce stylo-là. Là. Moi, j'ai le bras mort. Fait que je vais aller voir dans le garage si j'ai peut-être quelque chose, un outil pour sembler ça là, et donner un bon coup. Parce que oh, mes bras sont finis. Mais la cire est encore en train de fondre dans l'eau. Fait que j'ai encore le temps. Moi, j'ai trouvé mon outil oscillateur. Donc, ça risque d'être un petit peu bruyant. On va voir. OK, donc j'ai dû changer de pot parce que mon autocuiseur à riz était trop petit un peu, puis l'eau, elle voulait comme bouillir puis empiéter dans mon bol. Donc j'ai mis ça directement dans un chaudron avec un petit peu d'eau, puis là c'est tout fondu. Puis je suis rendue à mettre de l'huile dedans, c'est le corps gras qui va venir comme en tout cas ça va être le protecteur. Là. Donc c'est de l'huile de canola.
C'est 5 parties d'huile pour une partie. Là, je suis allée à peu près parce que j'avais pas vraiment de moyen de mesurer la quantité de cire que j'avais. Mais je vais venir le mélanger et prendre un petit bâton pour le mélanger ensemble. Donc c'est pas mal terminé, je pense que c'est pas mal tout mélangé, donc c'est l'heure que je le retire du feu. Je le laisse refroidir avant de m'en servir. C'est le moment de vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Wow.